On peut les encourager. De la Coupe du Monde des Jeux Vidéo 2013. Dernier run. On va savoir qui terminera sur le podium et qui aura la place de quatrième, la pire des places en championnat international. C'est dur, c'est dur. Et puis Allez, c'est parti. Il avait les moyens d'aller chercher la médaille d'argent. Là, il se retrouve en grande difficulté. Et Bergui se réveille au moment capital pour aller chercher cette troisième place. Attention parce que Bergui est encore devant. Kunz n'a pas envie de lâcher, mais Kunz a l'air d'être moins à l'aise sur cette carte depuis le début. Voilà Bergui qui prend un petit de Kunz là sur Bergui. Bergui qui craque pas et qui est toujours devant. Attention, le petit saut entre les deux murs. Très bien géré par les deux joueurs là, ils sont vraiment en situation coude à coude. C'est très chaud là. Kunz qui passe devant, attention, le dribble bordure, externe poteau. Très bien joué par Bergui qui prend un très bon inter. Très bien, très belle trajectoire de Bergui. Oh, ça touche vraiment rien. Kunz d'intérieur, là, c'est beau ce qu'il fait, c'est très très beau. Il a pris beaucoup de vitesse et il déborde complètement. Bergui a touché. Bergui a touché et Kunz qui est en train de partir là tout seul devant. Il va sûrement récupérer sa troisième place sur le podium. Attention, oh, ouais, il est loin Bergui, il est tellement loin. Kunz pour la troisième place, peut-être médaille de bronze. Attention, on arrive bientôt au bout. Les deux poteaux à éviter et l'intérieur, interpoteau qui arrive. Kunz, troisième place de la Coupe du Monde. Eh ben écoute, excellent run, hein. excellent match. On a pu voir donc Carl Junior, le Canadien, qui a l'expérience des grands rendez-vous maintenant, le jeune joueur du Québec, qui remporte son titre de champion du monde après une domination exemplaire, une domination vraiment parfaite. Durant tout le week-end, il a dominé tous ses matchs. Tala, la surprise du week-end, excellente compétition. On ne le connaissait pas trop, joueur de la Team Big 3, de nombreuses compétitions sur Internet. Très bien joué de la part de ce joueur, et Kunz qui prend la médaille de bronze.